Comme je disais tout à l'heure, j'ai construit ça en 2000. Moi, je me suis installé en 99. Et comme avant, ma mère faisait boire les petits veaux dans les anciennes étables, donc on a cherché un système plus simple, comme la laiterie était là, de ne pas trop se déplacer avec les brocs à aller, quoi. Donc, je dis, je vais essayer de faire un bâtiment ambulant, ça n'existait pas. Et pour ça, il reste à proximité. Là, il était là cet hiver, pour pas que ce soit loin. Et puis en plus, l'hiver, on a un halogène qui est là-haut, qui permet pour l'éclairer, parce qu'évidemment, il n'y a pas d'éclairage. Donc là, tout de suite, il sert pour déjeuner. Ils ont un abri là, mais après, ils vont aller de l'autre côté. Donc ça va permettre qu'ils aient toujours un abri. Et là, quand c'est des petits veaux, il y a un tornadis de 0 à 6 mois. Ça, là, ils peuvent voir aussi, autour de bord. Et puis, j'ai fait un système pour l'hiver, comme c'est un toit qui est en tôle. J'ai fait un paillasson avant fougère. Parce que quand ils gèlent, on croit que ça leur dégoûte sur le dos et ils se couchent dessous. Et puis, donc, on l'oriente au sud. Et les veaux, on voit qu'ils se couchent en fonction du soleil.